Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous voyez, il n'y a toujours pas Guillaume, il est en vacances, il profite. Alain, tu veux pas venir le remplacer? Ah bah non, moi je peux pas, je suis à la caméra là. Bon bah on va voir les annonces ensemble alors. On regarde ça. Le vendredi 6 octobre à 19h30 aura lieu notre prochaine rencontre des femmes contemporaines. Cette fois-ci, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien à payer, c'est ouvert à toutes les femmes de tous les âges. On va continuer sur la lancée Corps, âme et esprit que nous avons commencé à la rentrée. Et il y aura plein de choses à découvrir ensemble entre nous, entre femmes. Venez nous rejoindre. Le 7 octobre commence la nouvelle session pour l'automne pour le parcours en croissance. Cet automne, on a deux cours, un sur l'épître aux Romains, il sera tous les 15 jours le samedi matin. Si tu veux approfondir ta foi, c'est un très bon moyen pour aller plus en profondeur. Le cours sur l'épître aux Romains va répondre à plein de questions qu'on a théologiques sur la façon de voir Jésus, de voir nous-mêmes et notre manière de vivre la vie chrétienne. Le deuxième cours commence le dimanche 15 octobre sur le livre de l'Apocalypse. Qui n'a pas une question liée à ce livre quand on lit ça, toutes les images, tout ça. Donc je sais que ça sera utile, ça répond aux questions et ça sera un bon moyen de grandir ensemble. Ces cours sont payants. Nous sommes bénis d'avoir un partenariat avec l'école biblique CTS à Bruxelles. Donc les professeurs viennent jusqu'à chez nous pour donner ces cours. C'est des cours de qualité, de profonde information pour nous nourrir bien. Le prix de base pour ces cours, c'est à 60 € pour 18 heures pour un seul cours. Et après, les prix est dégressif selon si on fait deux cours, si on fait le cours en couple, peu importe la situation, si on est étudiant ou autre. Toutes les infos sont sur le site de l'église, sur l'onglet communauté. Samedi 14 octobre, il y a le collectif Beth Salel qui organise une conférence sur la narration visuelle. Donc c'est Samuel Kleiss qui présente son mémoire de fin d'études. Il était étudiant aux Beaux-Arts de Tournai. Il va présenter ses études sur la narration visuelle et son carnet de dessin Explore. Donc on te donne directement rendez-vous à la chapelle cette journée-là. Le week-end du 21-22 octobre, il y a deux choses très importantes. La première, c'est qu'il y a un week-end d'intégration au niveau des jeunes scouts Flambeau et Petit Flambeau. Donc il y aura un stand d'information et d'inscription dans le hall d'entrée, ce dimanche, dimanche 8, nous t'y attendons avec impatience. Et du coup, le même week-end, il y a aussi notre fameux week-end d'intégration d'expansion. Donc tu veux vraiment, vraiment pas manquer ça si t'es jeune. Alors ce sera à Massambre comme l'année dernière, ça coûte 60 €, il y a des prix dégressifs pour les étudiants. Donc tu peux directement t'inscrire en allant sur Instagram, le lien dans la bio, tu peux t'inscrire là. Aussi, il est possible, si tu désires permettre à un jeune qui n'a pas les moyens d'aller à ce week-end d'intégration, tu peux soutenir. Il y a le QR code qui s'affiche sur l'écran. Aussi, tu peux aller directement au point info pour plus d'informations. Attention, très important, les inscriptions sont ouvertes du 1er au 15 octobre. Pas après, c'est vraiment jusqu'au 15 octobre. Donc, vas-y tout de suite. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Je me sens pas différent. Vous n'avez pas à sentir quoi que ce soit pour accomplir de grandes choses. Jésus, si tu ne renonces pas aux paroles que tu viens de prononcer, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre la loi de Moïse. Je suis la loi de Moïse. Et voilà, on a vu toutes les annonces, mais très important, si vous avez besoin d'un moment de prière, de partager avec quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller, il y a l'espace Passerelle qui sont là pour vous écouter et pour prier avec vous. Ils se trouvent au niveau du balcon, donc n'hésitez pas à y aller. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche.